Du coup, soleil de minuit. Profitons-en, allons-y. Ouais. Parmi nous, ce qu'il en reste. リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせればアルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが。 リヴァイ! エツォ! エルヴィン団長が重傷です! 例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか? まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。お前らも分かっているはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。トロスト君を守れたのも 兄の正体を見抜いたのも、ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは俺でも団長でもない、アルミンだ。そうだろ、ミカサ。人類を救うのはエルヴィン団長だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。 悪魔を再び蘇らせる。それが俺の使命だったんだ。だから、邪魔するなよ! ミカサ、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ! あの壁の中で、希望の灯火を絶やしてはならないんだよ! 私にも、生き返らせたい人がいる。 C'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, mais Armin est en, dans cet état à cause de l'explosion à la transformation de Berthold. ガキの頃の夢なんて、俺はとっくに忘れてて、何かを憎むことしか頭になくて。でも、こいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。 全員、ここから離れろ! ここで確実に ベルトルトをエルヴィンに食わせる! さあ、行こう、ミカサ。 アルミン、またな。 どいつもこいつも。 地平線まで全て塩水! エレンはまだ疑っているんだろ! 絶対あるんだから! 見てろよ! 俺は… このまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえと、やってらんなかったんだな。みんな、何かの奴隷だった。あいつでさえも。 先生にいないって、どうやって調べたんですか。リヴァイ、ありがとう。 Ah!
許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだ。そうか。Bon, et ben ça c'est fait. Armin version Titan. Quelques heures plus tard. 巨人化したアルミンはベルトルトを捕食したことで人の姿に戻り、一命を取り留める。壁上へ避難した調査兵は他の生存者を捜索したが成果はなく、エレンたちはイエーガー邸の地下室に向かうこととなった。この家かい。はい。La cave du docteur Jaeger. Ikenste, ici de Aru Jaeger, si nous chigotons pas. Nani moi, Ayashi mono a arimasen. Watashini va sauchou stereo ni miel. Ma, tu au campé ni mirare de comario na moua. Ikenste, la cage à wakane d'arona. Kokoni.鍵穴がある。開いた。からよく見ろ。二重底だ。本が三冊。俺たちの探し物はこれらしい。親父は俺に何を見せたかったんでしょうか。地下室で発見された3冊の本にはグリシャ・イエーガー氏の半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、壁内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、世界であること。壁内人類はかつて世界を支配していたユミルの民であり、世界はユミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、壁外の大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくる。マーレ、ouais, などである。c'est le peuple Mar, hein, je, voilà.Bon, bah pourquoi pas? Voilà, révélation, aïe, on sait ce qu'il y a dans le... à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que c'est de l'extramuros? C'est de l'extramuros, donc ça, ce sera fait hors épisode. Il nous reste l'attaque des titans. Et enfin, épisode spécial, épisode final par-delà le mur. Eh bien, écoutez...On y va. Les quartiers privés dans les baraquements. Eren, ça est vraiment vrai? Ah, pas de doute. Mon père a été lié à mon souvenir. Mon père a été arrêté par Marley Safe et est venu à Paradis. Il est devenu un titan et a été soigné pour recevoir des soins.そしてその時、あの男が親父を救った。
あんたは何者だ。親父を救った男の名はエレン・クルーガー。九つの巨人と呼ばれる特別な巨人の一つを宿していた。彼は親父にその巨人を継承して始祖の巨人を奪還しろと言った。なぜあんたがやらない。九つの巨人の力を継承した者は13年で死ぬ。彼が継承したのも13年前だった。九つの巨人にはそれぞれ名前がある。親父に継承された巨人にも、その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。おお。Ouais, ok, très bien. Bon, petit résumé rapide, mais qui fait sens, hein, y a pas de souci. Et du coup, bah, dernière mission. Par-delà les murs. Toujours avec Levi. Bah écoutez, allons-y, hein. トロストクに設置された処刑台は巨人を潰し続け、ウォールマリア内にいた巨人は 残らず掃討された。一度目の超大型巨人襲来から6年、調査兵団はウォールマリア外への壁外調査を行った。 お前の読み通りだ、ハンジ。ウォールマリア内に入っていた巨人がほとんどだった。まだ残ってはいるだろうが、この人数でも何とかいけるだろう。 そんじゃ、予定通り目的の場所を目指すぞ。巨人だ。やっと現れたか。気をつけろ。 Allez. Let's go. もう目標地点に近いはずだが、ここで巨人と出くわすとはついてねえな。周囲の巨人をすべて討伐して。 Alors désolé, je lis en même temps ce qui se dit en bas, hein, je vous le dis. Bon bah c'est cool ça, du coup je me demande. On a donc, là on est sur la fin de l'histoire de la saison 3. Qu'au final c'est ce que je pensais, hein, ça a quand même été très court. Et je trouve abusé le prix que de l'extension juste pour quelques heures de jeu. Mais bon, soit, très bien. Passons. De la fumée. Cela dit, on a le temps, non? Est-ce que je peux avoir mon cheval, s'il vous plaît? Cheval. Merci. Cheval, ne t'envole pas. Mais du coup, ouais, je trouve un peu abusé le prix de l'extension quand on voit le contenu. Alors après, oui, il y a d'autres morceaux d'histoire, hein. On l'a vu, ça, c'est pas un souci. Et on les fera, hein, bien évidemment, l'épisode suivant, enfin le prochain épisode, on partira sur les missions à côté. Donc là, c'était, je crois que c'était la 104e brigade d'entraînement. Pour l'instant, on a suivi l'histoire du bataillon. Donc on va voir, hein, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, voilà quoi, c'est pas exceptionnel, je trouve, pour l'instant. Peut-être que le mode reconquête des murs me fera changer d'avis. Voir ce que contient ce mode de jeu, on verra bien. Une fois qu'on aura fini toute l'histoire, on ira voir. Mais j'avoue que pour l'instant, quand je vois le... J'ai pas envie de dire le manque de travail, mais... Les cinématiques, en fait. Enfin, là où le premier jeu faisait beaucoup de dialogues avec les personnages qui se déplaçaient, etc. Pas mal de cinématiques avant et après les missions. Ben là... On a un final assez peu de cinématiques et juste des diapositives en mode je te raconte une histoire quoi. C'est assez dommage, hein. Je trouve ça quand même très dommage d'avoir fait ça. Ça reste, je trouve, un des jeux qui a quand même des suivis de scénarios, vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça, le jeu suit très très bien le scénar du manga.
là où on a pu avoir l'occasion de voir certains jeux du style Seven Deadly Sins, où si on connaissait pas le scénario du manga, clairement si on ne joue que au jeu, on est paumé. Clairement on est paumé. C'est même pas des ellipses qu'ils font dans Seven Deadly Sins, c'est des trous noirs. Voilà. Là où ce jeu de l'attaque des titans, voilà, suit parfaitement le scénar. Bon, il y a quelques ellipses, mais quand il y a une ellipse, bah, le jeu t'explique pourquoi. Chose qui n'a pas été tant faite que ça dans l'extension. Là, je trouve ça un peu dommage aussi. Mais bon, ça reste quand même un très bon jeu. Je reste quand même content de retourner sur l'attaque des titans, hein, parce que bah, j'adore le manga et le jeu, comme je disais, bah, il fait partie des jeux que j'ai adoré, clairement. Et que, bah, au final, vous avez été nombreux à me redemander, donc voilà. Comme ça, tout le monde est content. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous me demandez des jeux que je vais forcément les faire. Exemple de Xenoverse 2, hein, que vous aurez beau me redemander, etc., je n'en referai plus. Hein. Pour ceux qui sont un minimum curieux, bah, vous savez déjà pourquoi, puisque ça a été expliqué de nombreuses fois. Mais au passage, au cas où, déjà pour prendre le train en marche, ça arrive. Je ne referai plus de Xenoverse 2, puisque après avoir monté tous mes persos, donc un perso de chaque race et chaque sexe, à level max, avec toutes les compétences que je souhaitais, les skins, toutes les stats, toutes les stats montées comme pour le bien de mon gameplay perso, ma save a été corrompue. Donc en gros, si je veux rejouer à Xenoverse 2, après y avoir passé plus de 150 heures de jeu dessus, hein, je vous le dis, il faudrait que je recommence tout. Ce qui est hors de question. Voilà, je ne recommencerai pas dans Xenoverse 2, vous pourrez le demander autant que vous voulez, il n'y en aura pas, tout simplement. La seule possibilité pour que je rejoue à un jeu Dragon Ball, c'est d'en sortir un nouveau, je vous le dis. Les spoilers, le jeu Dragon Ball Kakarot m'intéresse très beaucoup, m'intéresse clairement. Donc voilà, le prochain jeu Dragon Ball que vous verrez, ce sera clairement pas du Xenoverse, mais potentiellement du Dragon Ball Kakarot. Hein. Donc voilà, revenons à ce qu'on disait, donc l'attaque des titans. pour le coup, non, clairement, le jeu est très bien, hein, le gameplay est nerveux à souhait, très fluide, non, vraiment il est très très cool. Mais j'avoue que j'aurais attendu un petit peu plus de narration, une narration un petit peu plus travaillée sur l'extension. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul reproche que je fais. Alors peut-être que ce sera un reproche qui changera quand on avancera sur les autres parties de l'histoire et le mode reconquête. Mais pour l'instant, voilà, je reste en mode narration mouef. Vous voyez, c'est mouef, mais mouef. Bon, bah, y'a plus de titans. Faites-moi pop des titans, s'il vous plaît. Ah, faut que je vous suive. Eh bah, suivez, je vous suis. Très bien. Et oui, on arrive dans une zone où ils n'ont jamais pu arriver. Puisque mur détruit, tout ça. Est-ce que le jeu le montre, tiens? Alors déjà, vous remarquez que le sol a changé. Oh, très intéressant. Ah non! Bon, bref. Voyez ça là-bas? Et ben vous le verrez plus tard. Enfin, techniquement, le jeu va le montrer, ce serait étonnant qu'il ne le montre pas. Mais du coup, on va voir. Allez, bouffe! Bon, c'était quand même une mission notée relativement difficile. Mais bon, ça va pour l'instant. Bon après, encore une fois, voilà, c'est Levi, c'est un des personnages les plus puissants, donc voilà. Je dis pas que c'est le plus puissant, mais c'est quand même un des plus puissants.
Et on fait globalement du one shot, hein, donc. Bon, il y a du titan qui est apparu par là-bas, on va aller voir. On va aller voir. Ok, il va falloir que je les protège, c'est ça? Non. Ah, il y a quelques déviants qui ont pop. Ah bah. J'ai bien fait de m'avancer. Mais c'est fou comment... Parce que là, ce qui se passe là, techniquement, dans les mangas, enfin, autant dans l'anime, je sais pas, parce que ça, j'avoue, j'ai pas regardé tout l'anime en... Enfin, tout le manga en anime. Mais par contre, moi, je me réfère au scan. Ce passage-là, le truc qu'on a vu au loin, mais qu'au final, on n'a pas pu aller voir, ça prend genre peut-être 3 cases. Hein. Peut-être, allez, une page. C'est genre, on les voit se balader. Ils arrivent au bord de ce truc là et ils se cassent. Enfin, c'est la fin du chapitre. Donc voilà, c'est pas. Mais non, ils ont réussi à faire un niveau entier juste sur ça. Sommes-nous réellement étonnés? Non. C'est, j'ai envie de dire, c'est une habitude hein, dans les jeux vidéo. Hein. On se souviendra tous de Dragon Ball sur NES avec son niveau dans l'espace tiré de une vignette du manga. Voilà. Et ça reste les jeux de notre enfance. Enfin, en tout cas, de la mienne. Parce que je suis persuadé que certains n'ont connu Dragon Ball sur NES que par le JDG. Et en soi, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas ce que je veux dire, bien évidemment. Allez, toi. Par contre, il nous fait taper un sprint, ils s'en foutent royalement de moi. En même temps, c'est des déviants. Ils s'en foutent complètement. Oh, une mission qui a pop. Ah, j'ai bien fait de tuer du titan, tiens. Ah, Connie. Connie. Mais du coup, je suis curieux. Est-ce que... Enfin, bon, là, je vais parler sans trop en dire, puisque je vais parler de choses qui se passent après la saison 3, donc dans les scans. Évidemment sans rien en dire pour ne pas spoil pour ceux qui veulent les découvrir eux-mêmes, bien entendu. Mais du coup, vous vous doutez bien que bah, les scans continuant, la série n'est pas terminée. Mais par contre, les personnes qui font l'anime ont annoncé que la saison 4 serait potentiellement la dernière. Ce qui me fait un petit peu peur, dans le sens où bah, les scans sont pas encore, enfin, sont loin d'être finis. Il se passe énormément de choses. Ah, Sacha! Ah, ben attendez. On va récupérer le cheval et tout le traverser. Mais ouais, c'est loin d'être fini, donc est-ce que l'anime va continuer? Parce que j'espère vraiment. Puisque pour ceux qui lisent les scans, voilà, disons que je serais extrêmement curieux de voir comment ça va rendre un animé, hein, ce qui se passe. Sans mentir, voilà, j'aimerais beaucoup voir ça. Même si ça voudrait dire assister à la mort, enfin re-assister à la mort de certains personnages que j'aurais aimé qui meurent pas. Bon, c'est pas vraiment un spoil de dire que dans l'attaque des titans il y a des personnages qui meurent. Hein. mais voilà, du coup je sais pas ce que ça va donner. Parce que j'avais vu passer un article il y a pas longtemps qui disait que voilà la future. S'il y avait une future saison 4, ce serait probablement la dernière. Donc je... Oui, là, tiens. Une base qui m'est apparue devant. Alors, Fox, t'es bien gentil, hein. Mais, voilà. Je préfère Sacha à choisir. Non, en vrai, Fox est classe. J'aime bien. C'est pas mon perso préféré, mais c'est une des nouvelles recrues qui est pas mal, je trouve. Qui est un peu la classe. Et du coup, je me demande aussi comment on va débloquer les nouveaux persos. Puisque bon, il y a Sig et Kenny qui sont débloqués dès qu'on achète l'extension. Mais il y a d'autres persos qui sont pas débloqués. Je sais quels persos sont, c'est, je vous le dis, je sais qui c'est. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de trucs à part les débloqués en mission extramuros. On n'a rien débloqué de plus, donc on verra bien hein, comment ça va se débloquer.
en sachant que sans compter donc Sig et Kenny, je crois qu'il y a 4 nouveaux persos, 4, 5, je sais plus, enfin bref voilà, il y a... Il n'y en a pas non plus énormément. Mais du coup, bon, c'est toujours sympa de débloquer des persos. Clairement, moi, je ne m'arrêterai pas tant que... Or, je m'arrêterai pas d'y jouer, ça veut pas dire que je m'arrêterai pas de faire des vidéos là-dessus, tant que j'aurai pas tous les persos. Après, je sais pas, on fera de toute façon un épisode sur le mode reconquête du mur. Hein. Mais... Enfin, reconquête de territoire. J'ai aucune idée de est-ce qu'on fera plusieurs épisodes dessus, est-ce qu'on fera le mode en entier ou quoi, je sais pas du tout. Puisque pour l'instant ben, je l'ai même pas lancé une seule fois, donc je sais même pas à quoi ça va consister, à part de la reconquête de murs évidemment, en fait, du territoire. Mais à part ce que le nom dit lui-même, j'avoue que je sais pas comment ça va se passer. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. On verra bien hein. Et comme je dis, je sais pas si on fera plusieurs épisodes dessus, est-ce qu'on fera tout le mode en entier, j'ai aucune idée. Pour l'instant, je me contente sur le mode histoire. Et une fois qu'on l'aura terminé, on ira voir le mode reconquête. Non, les titans ont arrêté de bloquer la route, hein, oui. Allez Mikasa! On avance. Le temps de réaction. Non. On a fait 10 mètres, quoi, sérieux. Allez, ça c'est fait. Cheval, là. Allez, Mikasa. Toujours le même qu'on attend. Hein. Ah, pas le temps de traînasser, comme il dit. Bougez-vous un peu. Eh oui, faut pas être pressé, hein, vraiment. Bon, c'est-à-dire... Ah bah... Foch est passé là. Alors qu'on l'a abandonné dans la forêt, le mec est venu jusqu'ici. Eh oui. Oh, mais ça me tue. Oh, vous êtes sérieux. Ouah, il y a plein de grands. Bon, on était arrivé quoi, sérieux, cette mission rallongement de la chasse aux titans, sérieux. Bon, je capture pas, je défonce, hein, clairement. Voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Toi, tu défonces, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi. La même. Et on a déjà libéré un petit passage au milieu. Bon, on va aller gérer celui-là. Raté. Il a mangé son pied. Allez, tac. 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 Il y a encore un là-bas. Deux même. Mais laissez cette tour tranquille, elle vous a rien fait. Bon, si, elle vous avoir des boulets dans la gueule, je sais. Mais c'est pas une raison. J'ai failli bouffer un boulet aussi, d'ailleurs. Allez, ce côté c'est fait, il en reste deux ou trois de l'autre côté. Et on va pouvoir mettre fin à tout ça. Pendant que je me fais attaquer par des moustiques. Vive la chaleur. J'en peux plus, c'est chiant, marre de l'été. Oui, spoiler, j'aime pas l'été. C'est trop chaud. Allez, il en reste deux. Commencez par le petit. Je prends même pas le temps de speeder. Ouh, des boubouboué. Ah, merci les boulets de canon.
Allez, ça dégage. Et bah voilà. Bon, j'espère au moins qu'on va avoir droit à une cinématique. Et pas du diaporama. Ah. Très bien. Ah, c'est le Eren avec les cheveux un peu plus longs. Mais qu'est-ce que vous faites à Sacha, sans déconner? Et ben voilà. Bon, temps de bataille, ouais, je me doute, puisque j'ai pas mal fait de tours et de détours. Donc, nouvel épisode a été ajouté, on peut utiliser Foch. Ouais, nouvelle émote, on s'en fout. Tout plein de matos. Et on débloque du coup un épisode de plus sur le mode de la 104ème brigade. Bon, et ben écoutez, ça c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Du coup, et ben c'est là qu'on s'arrête pour cette fin d'épisode, enfin de cette fin d'histoire du bataillon d'exploration. Prochaine fois, on s'attaquera du coup à la 104ème brigade, on repartira du début de l'histoire. Hein. On fera là comme ça, on pourra faire les liens, tout ça. Mais en tout cas, et ben voilà. Bon, c'était cool, mais je m'attendais un petit peu plus. Enfin bref. Du coup, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.